أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. C'est un avis, qui est aujourd'hui celui de plusieurs savants musulmans, mais il y en a d'autres qui ne sont pas aussi nombreux que les premiers, qui disent que c'est possible. Donc prenez l'avis parmi ces deux-là qui vous sciez tranquillement. Eh bien, je donne les avis et je laisse chacun libre de prendre parmi ses avis celui vers lequel son cœur penche. Mais, encore une fois, pour l'honnêteté intellectuelle, il y a aussi l'autre avis qui dit qu'on ne peut pas. Les deux sont là. Donc vous êtes libre, si votre cœur se sent proche d'un avis ou d'un autre, prenez-le et surtout n'écoutez personne qui viendra vous dire « Ah ben finalement c'est comme si, pas comme si ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Ikhtilaf ummati rahmah », la divergence de ma communauté est une miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il fait Mohamed Bajrafil? Le problème de Mohamed Bajrafil c'est quoi en fait? Mohamed Bajrafil il apporte des divergences des savants et il dit aux gens « Choisissez les avis que vous voulez ». Et il dit que celui qui travaille avec cet avis, c'est bon. Celui qui travaille avec l'autre avis, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Premièrement, nous disons d'abord, comme on l'a dit, que ça, c'est une parole qui est batil. Pourquoi? Parce que de prime abord, ça, c'est suivre sa passion. Ça, c'est suivre sa passion. Et on nous a interdit dans plusieurs versets du Coran de suivre quoi? De suivre la passion, au détriment du Coran et de la Sunna. Deuxièmement, la divergence n'est pas un dalil. Deuxièmement, la divergence n'est pas un dalil. C'est pas une preuve. Quand aujourd'hui, beaucoup de gens qui suivent les passions disent, lorsque tu leur demandes, ou bien est-ce que tu viens par exemple, si tu demandes à une personne, tu lui demandes, ou bien tu les réprimandes par exemple, sur un sujet, certaines personnes, ils te disent quoi? Ils te disent, il y a divergence. C'est-à-dire, pour lui, la divergence est devenue un dalil. Au lieu de te dire, non, yahri, si tu me vois faire ça, c'est parce que Allah a dit comme ça dans le Coran, ou bien c'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith comme ça, et le savant tel a expliqué ça comme ça, etc. Non, lui c'est pas ça. Lui c'est quoi? Lui c'est, il y a divergence. Et donc, comme il y a divergence, tu n'as pas le droit de réprimander quelqu'un. Et ils disent, la inka fimasa il khilafir. La inka fimasa il, fimasa il khilafir. Nous disons que, ça aussi, c'est pas juste, c'est pas correct. Ça, c'est faux. Cette phrase est fausse. Nous disons la inka fi masail al-ijtihadiyya. Oui. Mais quand au fait de dire la inka fi masail khilafiyya, nous disons non. C'est-à-dire, il te dit que tu ne dois pas faire des réprimandes à quelqu'un dans une masala où il y a un khilaf. Ça, c'est faux. Comme disait le cheikh Ibn al-Saymin, ça, c'est quoi? Ça, c'est gaspiller le din, ça. Pourquoi? Parce que laissa kul khilaf inja mu'tabar. Ce n'est pas toute divergence qui est prise en considération. Et ils amènent quoi comme hadith? L'ikhtilaf ummati rahma. La divergence dans ma communauté, de ma communauté, c'est une miséricorde. Ça, c'est un hadith que certains disent maudou'a. Nous avons dit da'if jiddan. Comme le dit le cheikh Mohamed Nasr Din al-Albani. Rahimahullah. Alors, c'est pourquoi j'ai aimé la parole d'Ibn Hazm. Rahimahullah. Lorsqu'il a dit, si la divergence était une miséricorde, alors l'union serait quoi? Si la divergence, c'est-à-dire diverger, c'est une miséricorde. Alors l'union c'est quoi alors? Il dit ça serait quoi, un châtiment? Vous voyez? Nous disons al-ibrat bi kitab wa sunna la bi khilaf. Nous disons ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est le Coran et la sunna authentique. C'est pas quoi? C'est pas les divergences qui nous intéressent. Sinon Allah ne devait pas nous dire dans le Coran fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pourquoi Allah dit ça dans la sourate Nisa? Allah dit quoi dans la sourate Nisa? Il dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager. Si vous êtes réellement croyant. Le verset est clair. Si vous êtes réellement croyant. On doit revenir vers Allah et son messager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, s'il y a divergence, toi tu dis comme ça, moi je dis comme ça, l'autre dit comme ça, on fait comment? On revient au Coran et à la Sunna. Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que la Sunna dit? On va pas dire non, comme il y a divergence, chacun choisit ce qu'il veut. Non, abadan. Ça c'est batil ça.
On dit quoi? On revient au Coran et à la Sunna. Toi, tu as dit que c'est halal. Toi, tu dis que c'est haram. Ton dalil est où? Ton dalil est où? C'est ce qui nous intéresse. Et non pas quoi? Et non pas de dire qu'il y a divergence ou bien revenir sur ce n'est pas. Parce que Mohamed Bajafi, c'est ça. Et j'ai remarqué qu'il s'intéresse plus aux divergences qu'aux dalil. Lui, c'est les divergences qui l'intéressent. Peu importe, même si le savant, là, ce qu'il apporte est daif, même si le savant, là, ce qu'il apporte est. C'est-à-dire, c'est pas conforme. Ici, il fait quoi? Lui, ce qui l'intéresse, c'est tant qu'il y a divergence. Donc, on choisit. Non. Ça, c'est quoi? Ça c'est Bartel. Parce que si réellement la divergence était un dalil, le prophète Allah ne devait pas nous, dans le Coran, Allah ne devait pas nous renvoyer au Coran. Il devait dire, si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers le khilaf. Farudduhu ila khilaf. Ou farudduhu ila l'ikhtilaf. Si vous divergez quoi que ce soit, revenez vers la divergence. Non, il ne nous a pas dit ça. Il nous a demandé de revenir vers quoi? Le Coran et la Sunna. Si ta parole est en conformité avec le Coran et la Sunna, on prend. Si ce n'est pas en conformité avec le Coran et la Sunna, on prend, on rejette ça, peu importe ton degré de science. Mais aujourd'hui, le malheur, c'est quoi? Pour beaucoup, c'est que les gens font précéder les paroles des gens sur les paroles de, sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte qu'il y a divergence. Et il te dit, tu crois que le cheikh a dit ça comme ça, sans dalil? Regardez comment les gens s'égarent. Et même Mohamed Bajrafi, une fois, il a dit ça dans l'une de ses vidéos. Il dit quoi? C'est ça, voilà, quand ils ont dit ça, ils ont dit ça comme ça? Regardez. Mais il ne connaît même pas le dalil du cheikh. Parfois, tu vois quelqu'un, il ne connaît même pas le dalil du cheikh, mais il vient se mettre et dit, non, mais tu crois que le cheikh a dit ça comme ça, il a certainement un dalil. Subhanallah. Moi, je t'apporte un dalil qui est clair devant toi. Tu refuses ça pour dire, pour suivre un avis dont tu n'as pas un dalil, mais tu dis, peut-être il a un dalil. Regardez comment les gens fonctionnent. Vous voyez? Alors, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait, l'imam Ahmed? Rahimahullah. Il disait, Ajib tu li qawmin, araful isnad, wa sihatahu, wa yazhabuna ila ra'i Sofiane. Sofiane al-Thawri. L'imam Ahmed disait, il dit, je me suis étonné d'un groupe de personnes. C'est-à-dire, je m'étonne des gens. Ils ont vu le isnad. Ils ont su que l'authenticité du hadith ou du isnad. Il dit, mais malgré ça, ils vont quand même suivre l'avis de Sofiane al-Thawri. L'imam Ahmed, il s'étonne de voir des gens comme ça. C'est-à-dire, le hadith est là authentique, clair devant lui. Mais il va quand même suivre l'avis de Sofiane al-Thawri. Vous voyez? Et ça, c'est le véritable problème que beaucoup de musulmans ont. Et qui est également un problème de Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Il y a khilaf. Donc, tant que les savants divergent, laissez les gens choisir. Non, ça c'est bâtil. On doit suivre le Coran et la Sunna. Et il dit encore, ça c'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed dit, dans, comme l'a rapporté Ibn Abdel Barr, fi Jami' Bayan al-Ilm, il dit, Ra'yu Awza'i, wa Ra'yu Malik, ورأي سفيان كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار الحجة في الآثار الإمام أحمد دي يدي la vie de Awza'i la vie de l'imam Malik la vie de Sofiane tout ça ce sont des avis et chez moi c'est au même pied d'égalité il dit mais l'argument se trouve dans les Athar dans les textes dans les Nusus. C'est là où se trouve l'argument. Ce n'est pas parce que, oui, mais j'ai écouté Mohamed Bajrafi une fois, il parlait de la musique. Il dit, mais Cordoui, quand Cordoui a dit que la musique est halal, tu pensais que parce qu'il voulait aller en boîte de nuit? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de l'avis de Cordoui sur la musique? Nous, ce qu'on veut, c'est les Nusus, c'est les Dalil. Si Cordoui, ce qu'il dit, est en contradiction avec les Nusus, on n'a rien à faire de l'avis de Cordoui. Toi, tu nous amènes l'avis de Cordoui. Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de ça ici. Ça, c'est pas du ilm. Vous voyez? Et c'est ça le problème de Mohamed Bajrafil. C'est-à-dire, lui, c'est juste les divergences. Non, mais il y a tel savant qui a dit. Non, là-bas, il y a un savant qui a dit. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tel savant qui a dit. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, où est le dalil? C'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, comme vous le savez tous, les quatre imams également, ils ont fait quoi? Ils ont mis en garde contre le ta'assoub. Hein, les quatre imams, ils ont mis en garde contre le ta'assoub. Comme les savants disent, ces savants-là, ils ont tous, et d'abord tous les savants de la Sunna, ils mettent en garde contre le ta'assub, contre le fanatisme. Et ils renvoient aux gens au dalil. Ils renvoient les gens vers les preuves. C'est pourquoi, vous voyez que certains savants disent, « Wa qala abu hanifatul imamu, la yanbari liman lahu islamun, akhzan bi akwali hatta tu'arada, ala al-kitabi wal hadithi murtada. » ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. Ça c'est les paroles des savants. L'imam Abu Hanifa dit ne convient pas à quelqu'un
des musulmans, de prendre mes paroles sans qu'ils ne pèsent ça au Coran et à la Sunna. Il doit regarder est-ce que la parole d'Abu Hanifa est en conformité avec le Coran et à la Sunna authentique. Et l'imam Malik dit quoi? Il a dit, toute personne, on peut prendre de lui, on peut rejeter, sauf la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne, peu importe ton degré de science, on peut prendre ta parole, on peut rejeter ta parole. Sauf la parole de qui? Du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Même Abu Bakr Siddiq, on peut rejeter la parole d'Abu Bakr Siddiq. Même la parole de Omar ibn al-Khattab, on peut rejeter cette parole-là. Mais la parole du prophète, non. Vous voyez? Et l'imam Shafi'i ici a dit la même chose. Que si vous voyez ce que je vous apporte, c'est en contradiction avec ce que le prophète a dit, ou bien ce qu'Allah a dit, qu'est-ce que l'imam Shafi'i dit? Fadribul jidara li qawli mukhalif al-akhbar. Il dit, de quoi? De jeter ça au mur. Parce que ça contredit quoi? Ça contredit ce que le prophète a dit. Wa qala Ahmadu, ou wa Ahmadu qala lahum la taktubu. L'imam Ahmed, qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Wa Ahmadu qala lahum la taktubu, ma qultuhu fa asl zaka fatlubu. هذه مقالات أئمة أربع فعمل بها فإن فيها منفعة. Ça c'est important. L'imam Ahmed a dit qu'il dit, moi il demandait à ses étudiants n'écrivez pas ce que j'ai dit. Il dit le as, c'est-à-dire la source ou bien le fondement dans ça c'est quoi? C'est de revenir vers quoi? Vers la recherche. Fatloubou, chercher le dalil. Donc on doit chercher quoi? On doit chercher la preuve et non pas dire non mais dès qu'on pose une question à quelqu'un non il y a divergence. Non, mais il y a tel savant qui a dit. Parce que Mohamed Badjafi, c'est ça. On est sur un sujet, oui, mais il y a tel savant qui a dit ça. Mais oui, mais ce n'est pas ça le problème ici. Ce n'est pas parce qu'il y a tel savant qui dit pas ça notre problème. Notre problème ici, le dalil est où? La preuve, c'est où? C'est ce qu'on veut ici. Ce n'est pas qu'il y a tel savant qui a dit. Il y a beaucoup de savants qui ont dit des choses. Ce n'est pas ce qui est plus important ici. Ce qui est plus important ici, c'est quoi? C'est le dalil bifahm salaf salih. C'est ce qui nous intéresse. La preuve à la compréhension de qui? Des pieux prédécesseurs. Alors, tout ceci, pour nous dire que nous devons suivre les preuves, pas le fait qu'il y a une divergence. Et lorsqu'on te dit que tel ou tel savant s'est trompé, car ce qu'il a dit contredit le texte, dire aux gens que, est-ce que toi tu connais plus que l'imam, tel ou tel, hein? Parce qu'il y a des gens, c'est ça, quand tu lui dis que l'imam s'est trompé, le cheikh s'est trompé, il te dit, toi tu connais plus que tel ou tel imam, eh bien il te dit, le dalil que toi tu apportes là, tu penses que l'imam tel ou tel, lorsqu'il a donné cet avis là, il ne connaissait pas ce dalil. Nous disons oui. Il ne connaissait pas ce dalil, le problème est où? Il se peut qu'il ne connaissait pas, ce dalil, le problème est à quel niveau? Cet imam t'a dit qu'il connaissait tous les dalils. Regardez l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, on lui a posé une question sur le tahlil as-sabi'a, c'est-à-dire faire entrer les doigts entre les. C'est-à-dire entre les doigts et nettoyer là, lorsqu'on fait les ablutions. Et on lui a posé la question sur ça. Il a dit qu'il n'y a pas un hadith qui est venu là-dessus. Je crois que c'est Abdullah ibn Wahab, si je ne m'abuse. Il dit même non, il a répété ça dans le taqrib. Et l'un de ses élèves, qui est Abdullah ibn Wahab, si j'ai bonne mémoire, il lui a dit non, il y a un hadith qui est venu là-dessus. Bisnad ibn Sahih. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il a fait? L'imam Malik a demandé la chaîne de transmission du hadith. On lui a apporté la chaîne de transmission. Il a regardé, il a vu que c'était authentique. Et donc, on retient quoi de cette histoire-là? On retient que l'imam Malik ici ne connaissait pas. Il ne connaissait pas le dalil. Laissons même l'imam Malik, les compagnons du prophète, Omar ibn al-Khattab. Un jour, Abu Moussa al-Ashari est venu frapper à sa porte, trois fois. Ensuite, il voulait partir. Omar est venu, il lui a dit, mais tu vas où? Il lui a dit, non, le prophète a dit, quand on vient chez quelqu'un, on frappe trois fois. Si la personne ne répond pas, on retourne. Et Omar ibn al-Khattab lui a dit que tu vas m'amener chez quelqu'un qui va témoigner que tu as entendu ce hadith salut du prophète. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés à la mosquée, les gens disent, mais qui ne connaît pas le hadith là ici? Ça c'est Omar ibn al-Khattab, compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur que toi et moi, que Malik, que Shafi'i, que Ahmed, que Abu Hanifa. Si Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il ignore un hadith, mais c'est quelqu'un qui viendra après Omar ibn al-Khattab qui ne va pas ignorer les hadiths. C'est un savant, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Le savant peut donner un jugement, peut-être qu'il n'a pas vu le hadith. Le hadith ne lui a pas. Et on va même voir, parce que c'est parmi. Comment on va. Pour bien comprendre le khilaf, il faut connaître les asbab khilaf.
C'est-à-dire, pour bien comprendre le sujet de la divergence, il faut connaître les causes de la divergence. Parce que les gens pensent que c'est tout avis, parce que le savant a amené cet avis, l'imam Abu Hanif a amené comme ça, l'autre année, donc on doit prendre. Non! On prend ce qui est en conformité avec quoi? Avec le Coran et la Sunna. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne connaissent pas comment se comporter face aux divergences. Et le plus gros problème dans ça, c'est que les gens ne connaissent pas, comme j'ai dit, les causes de la divergence. Parce que si on ne connaît pas les causes de la divergence, c'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui qui disent que, comme Mohamed Bajrofil, vous prenez les avis que vous voulez. Ça, c'est... Je considère cela comme étant une ignorance de quoi? Des causes de la divergence des savants. Tu vois des gens, ils te disent, mais le hadith est clair. Parce que c'est ça. Il y a des gens, parfois, ils viennent et disent, mais le hadith est clair. Comment se fait-il que l'imam Shafi'i, ou bien l'imam Malik, ou bien l'imam Ahmed, ou bien d'autres, comment ils ont fait pour contredire ce hadith, alors que le hadith ici est clair? On dit oui, peut-être que l'imam Ahmed n'a pas vu le hadith, peut-être que l'imam Malik n'a pas vu le hadith, ou ils pensaient peut-être que c'était authentique, et que c'était pas authentique, pardon, alors que le hadith est authentique, ou même peut-être qu'il a oublié le hadith, ça arrive. Vous connaissez tous l'histoire de Omar ibn al-Khattab, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Omar disait non. Et Abou Bakr a dit quoi? Abou Bakr a pris la parole. Il a dit, celui qui adorait le prophète Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Mais celui qui adorait Allah, qu'il sache que Allah ne meurt pas. Et il a amené le verset dans le Coran, surat Al-Imran, où Allah dit que le prophète Mohammed n'est qu'un homme, n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il était mort ou bien tué, vous allez abandonner la foi pour retourner dans le polythéisme? Quiconque fera cela sera quoi? Hein, Allah le jugera sur cela. Et Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset-là. Écoutez, hein. Il a dit, c'est comme si... Et pourtant, le verset était là. Mais Omar a dit, c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset. Donc, le savant peut donner un hukm. Le dalil est là. Mais peut-être qu'il ne fait pas attention au dalil. Il n'a pas peut-être fait attention au dalil, à cette preuve. Ça arrive. Et parfois, vous allez même voir des savants, ils vont venir te dire... Il avait une position, après il a changé la position. Et il t'a dit que vraiment, je ne sais pas comment ce dalil a pu m'échapper. Alors que le dalil était là, mais je n'avais pas bien médité sur le hadith. Donc ça arrive. Donc ça montre clairement ici quoi, qu'on ne doit pas être là pour dire quoi, qu'on doit suivre les avis des savants, même si ça vient en contradiction avec quoi, avec les nusus. Alors, si par exemple, je prends un exemple, un savant par exemple, s'il a oublié un dalil, on ne savait pas qu'il y avait, il ne savait pas par exemple qu'il y avait un dalil, ou bien il croyait que le hadith était authentique, ou vice versa, il croyait que le hadith était da'if alors que le hadith est authentique. Est-ce qu'on doit laisser la preuve, le savant oublier par exemple le dalil, ou bien il croyait que le dalil n'était pas authentique? Maintenant, il nous parvient clairement, de façon claire, avec des preuves que le hadith est authentique, ou bien que le savant a oublié. On doit laisser le dalil poursuivre l'avis du savant parce qu'il y a divergence, ou bien on doit dire aux gens que vous pouvez choisir l'avis que vous voulez, si vous voulez, vous prenez l'avis de ce savant-là. Nous disons ceci, disons que ça c'est quoi? Ça c'est batil, et ce n'est pas quoi? Ce n'est pas en conformité avec les textes. C'est qu'en tant que musulmans, nous devons connaître les causes de la divergence. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas les causes de la divergence, ça va nous amener à réfléchir comme Mohamed Bajrofi, c'est-à-dire de dire qu'on choisit les avis que tu veux. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. L'imam Malik, par exemple, parmi ses fondements, parmi ses usul, il considère les pratiques des gens de Médine comme étant un dalil, c'est-à-dire comme étant une référence. Ça veut dire que si l'imam Malik trouve, par exemple, un hadith, hein, à connotation bien, à information unique, par exemple, et que ce hadith, la pratique de ce hadith n'est pas avérée chez les gens de Médine ou bien chez les habitants de Médine, l'imam Malik dit quoi? Il dit qu'il ne travaille pas avec le hadith là. Il dit quoi? Il ne travaille pas avec le hadith parce qu'il va te dire que ce n'est pas une pratique qui est connue ici à Médine. Ça, c'est parmi les usul de l'imam Malik, c'est connu. Alors, si par exemple, moi, je sais très bien, parce que ça c'est un débat entre les savants de usul, est-ce que la pratique des gens de Médine c'est un dalil, oui ou non? On sait très bien que, parce que, et c'est normal, l'imam Malik considère ça pourquoi? Parce que les compagnons ont vécu à Médine. C'est normal. Les compagnons ont vécu à Médine, pas tous bien sûr, mais ils ont vécu à Médine pour la grande partie, et ils ont enseigné, n'est-ce pas? Donc les tabi'in qui sont restés, n'est-ce pas, à Médine, certainement ils ont pris les pratiques qu'ils font, ils ont certainement pris ça des compagnons. Donc l'imam Malik estime que si
on pratique quelque chose à Médine, c'est un dalil. Hein? Parce qu'ils ont certainement pris ça des compagnons. Ou si on ne pratique pas, c'est aussi un dalil. Alors, d'autres savants disent non. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les compagnons du prophète Mohammed ne sont pas tous restés à Médine. Il y en a qui sont partis à Cham. Donc, en Iran, en Irak, etc. Il y en a qui sont partis au Yémen. Il y en a qui sont partis en Égypte. Ce qui a fait que vous allez même trouver, si vous repartez dans les histoires des compagnons, vous allez voir qu'il y en a, il y a des compagnons qui ont même voyagé. Ils sont quittés de Médine pour aller par exemple en Égypte ou dans d'autres pays, aller prendre un hadith chez un autre compagnon. Donc, on retient quoi? On retient qu'il y a certainement des hadiths que ces compagnons-là, ou bien ceux qui ont vécu à en Égypte, ou bien à Cham, c'est-à-dire en Iran, en Irak, etc., ils avaient peut-être des hadiths que ceux qui sont restés à Médine n'avaient pas, et vice-versa. Et ceux qui sont à Médine avaient peut-être des hadiths que ceux qui étaient à Cham, etc., n'avaient pas. Donc, on ne peut pas restreindre le hujja, l'argumentation, à quoi? Aux gens de Médine. Alors, si quelqu'un sait déjà ça, quelqu'un connaît déjà ça, il trouve un hadith du prophète clair, authentique sur un sujet, et il trouve l'imam Malik qui dit non, on ne peut pas prendre le hadith parce qu'à Médine, on ne pratique pas ça. Mais je ne peux pas laisser le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique et clair pour prendre la parole de l'imam Malik qui me dit que c'est pas une pratique qui est faite quoi, qui est faite à, c'est pas une pratique qui est faite à Médine, à Badan. Je ne peux pas. Oui. Et de là tu comprends déjà, tu vois déjà, de là tu vois déjà quoi, que ici on ne peut pas fonctionner avec la parole de Mohammed Bajrafi qui dit que chacun prend ce qu'il veut. On ne peut pas prendre ce qu'on veut. Non, on prend là où il y a le dalil. Le dalil arrive, le prophète a dit, clair, authentique, c'est fini. On peut mettre la parole de quelqu'un ici au-dessus. Alors ça, c'est important. Voilà pourquoi j'ai dit connaître les causes des divergences, ça vous aide beaucoup. Parce que quand vous connaissez déjà, vous pensez par exemple que l'imam Malik, voilà, parmi ses usul, il y a ça. Et vous vous retrouvez une mas'ala où il travaille avec ce as-là, tout de suite, vous devez déjà connaître comment vous allez travailler ou bien quel est l'avis prépondérant ici sur la question. Alors donc, je disais tantôt qu'il est très, je dis primordial même, c'est crucial pour un musulman de connaître les causes, les différentes causes des divergences des savants. Pourquoi? Parce qu'en connaissant ces causes des divergences, vous allez savoir quel est l'avis qui est prépondérant. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans les causes des divergences, vous deviez savoir que la divergence est de deux types. Nous avons ce qu'on appelle khilaf tanawwu. Et nous avons ce qu'on appelle khilaf tabord. Khilaf, ou bien ikhtilaf tanawwa. Hein? Al-ikhtilaf tanawwa. Ou bien khilaf tanawwa. C'est une divergence, comment on peut dire, c'est-à-dire de pluralité ou de c'est diversifié en fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, divergence tanawwa? Ça veut dire qu'on peut travailler avec tous les avis, il n'y a pas de problème. Ça, on appelle ça divergence tanawwa. Comme par exemple, on te dit, un exemple, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire telle invocation dans le rukou'a. Et il avait l'habitude de faire telle autre invocation, toujours dans le rukou'a. Et il avait l'habitude, pardon, de faire telle invocation dans le soujoud. Et dans le soujoud, il faisait aussi une, c'est-à-dire, peut-être 5-6 invocations comme ça que le prophète avait l'habitude de faire dans le soujoud. Un exemple, dans le soujoud, dans le rukou'a. Donc ici, là, il y a plusieurs invocations. Ça, là, on appelle ça khilaf tanawwa. Et ici, tu peux travailler avec ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux, tu prends l'invocation là. Si tu veux, tu prends cette invocation là. Si tu veux, tu prends l'autre invocation. Il n'y a pas de problème. Ça, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème. Ça, on appelle ça quoi? Khilaf tanawwu. Donc, ici, tu choisis, n'est-ce pas, l'invocation que tu trouves plus facile. Ou bien, tu changes de temps en temps. Tu prends cette invocation là aujourd'hui. Demain, tu prends l'autre, etc., etc. Ça, on appelle ça khilaf tanawwu. Il n'y a pas de problème dans ça. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle khilaf tabord. J'espère que vous avez compris c'est quoi le khilaf tanawwu. Deuxièmement, nous avons khilaf tabord, c'est-à-dire que une divergence, mais où il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a opposition ici. Tabord, c'est-à-dire c'est une contradiction, c'est une opposition. Ici, tu ne peux travailler qu'avec un seul avis. Et il n'y a ici qu'une seule vérité. Je répète, lorsque vous avez une divergence qui est tabord, c'est-à-dire que c'est en opposition, c'est une contradiction. Ici, il n'y a qu'une seule vérité et tu ne dois travailler qu'avec un seul avis. Car vous devez savoir que deux choses qui se contredisent ne peuvent pas être tous les deux vraies. Il y a forcément un avis qui est vrai et l'autre qui ne l'est pas. Pourquoi? C'est-à-dire que même avec la raison raisonnante,
dire que deux choses contraires sont tous deux vraies, ça ne passe pas. Je vous donne un exemple. Je prends un verre de couleur bleue. Je laisse ça sur une table avec deux personnes. Je sors. Dès que je reviens, je demande à l'un des deux de m'apporter le verre bleu que j'ai laissé sur la table. Alors l'un me dit que lorsque je suis parti, le verre bleu est tombé et s'est cassé de la table. Et l'autre vient et dit non, lorsque je suis parti, le verre bleu n'est pas tombé de la table, il ne s'est pas cassé. Vous avez suivi l'exemple? Mais il n'y a qu'une personne maladroite qui viendra dire non, 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 tous les deux ont raison. Le verre est tombé et s'est cassé, et le verre n'est pas tombé, ne s'est pas cassé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est absurde, ça c'est paradoxal. Parce qu'ici, c'est une contradiction, ici, c'est en opposition. Un dit que le verre est tombé, ça s'est cassé, l'autre dit que le verre n'est pas tombé, ça s'est pas cassé. Et vous dites que tous les deux sont vrais, c'est impossible, ça ne peut pas tous les deux être vrai. Ou le verre est tombé et s'est cassé, ou le verre n'est pas tombé et s'est pas cassé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que s'il y a contradiction, cela voudrait dire qu'il y a un avis qui est vrai et il y a un autre avis qui n'est pas vrai. Donc, si les savants divergent, par exemple, sur un point, certains disent que c'est haram, c'est prohibé. D'autres disent que c'est halal, c'est licite. Nous disons qu'il n'y a ici qu'une seule vérité. Ou la chose est haram, ou la chose est halal. Elle ne peut pas être en même temps halal, en même temps haram, la même chose. Non. Est-ce que vous suivez ici? C'est très important. Donc, venez dire à quelqu'un que si les savants divergent, il y a des savants qui ont dit ça c'est haram. D'autres ont dit c'est halal. Prends ce que tu veux, l'essentiel que tu sois heureux. Nous disons ça c'est barté. L'azakroulun barté. Pourquoi? Parce que dans ces deux avis, nous savons très bien qu'il n'y a qu'une seule vérité ici. La même chose, la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Ça veut dire que la même chose là, Allah ne peut pas dire non, c'est haram, c'est halal là. Ou c'est haram, ou c'est halal. Alors certains savants te disent par exemple que c'est interdit de manger avec la main gauche. Ça veut dire que si tu manges avec la main gauche, tu as un péché. Et d'autres te disent non, c'est simplement makrouh. C'est simplement déconseillé, c'est détestable. Ça veut dire que si tu fais ça, tu n'as pas de péché. Mais si tu laisses, c'est mieux, tu es récompensé. Et quelqu'un vient et te dit non, tous les deux avis sont bons. Si tu travailles avec ça, pas si tu travailles avec ça. Non, dis ça, c'est barbel. Tous les deux ne peuvent pas être vrais. Certains disent que c'est halal. C'est haram. Donc ça veut dire que si tu fais, tu as le péché. D'autres disent non, c'est pas haram, mais c'est déconseillé seulement. Comment tu vas dire que les deux avis, on peut travailler avec, tout est bon? Ça, c'est barbel, ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez déjà, c'est-à-dire, à quel niveau Mohamed Badjerofi dévie? C'est-à-dire, cette parole qui vient de faire sortir de sa bouche là, c'est grave. C'est-à-dire, la parole qu'il a eu à dire dans ses vidéos, c'est grave. Dire aux gens de choisir les avis qu'ils veulent, l'essence qu'ils soient heureux, mais ça, c'est bâtil, abdol bâtil. Alors, premièrement, déjà, la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Ça, vous devez déjà le savoir. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayri Allahi, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. » Allah est plus que clair. « Afala yatadabbaruna al-Qur'an. » N'ont-ils pas médité sur le Coran, « Walau kana min indi ghayri Allah. » Si ça provenait d'une autre personne en dehors d'Allah, « La wajadu fihi, » ils auraient trouvé à l'intérieur maintes contradictions. Maintes contradictions. Allah est plus que clair. Ça veut dire que la contradiction n'émane pas de l'inspiration divine. Lorsque vous voyez déjà contradiction, sachez que là, il y a la main de l'homme qui est passée par là. Ou bien il y a la pensée de l'homme, ou il y a la parole de l'homme qui est passée par là. Parce que l'inspiration divine, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas se contredire. Donc une chose ne peut pas être au même moment, dans le même contexte, dans les mêmes conditions, halal et haram. Non. Ou c'est halal ou c'est haram. Donc, ce qui veut dire qu'on doit faire des efforts pour connaître la vérité, donc le haq, et s'accrocher à la vérité. Et non pas de suivre quoi, les avis des savants. C'est-à-dire dire que non, parce que les savants divergent, donc chacun choisit ce qu'il veut, chacun prend ce qu'il veut, sans qu'il soit heureux. Disons que tout ceci, c'est nul et non avenu. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari et Muslim, il dit clairement, « Iza ajtahada al-hakim fa'asoba falahu ajran, wa iza akhta'a falahu ajrun wahid. » Il ici, le savant ou le chef musulman, il fait des efforts, il se trompe, il a une récompense. Mais s'il trouve la vérité, il a deux récompenses. Donc ça montre clairement ici que le savant peut se tromper.
Ça montre clairement ici que le savant peut se tromper. Oh, tu viens dire que non, le savant s'est trompé. Tu dis que l'imam Malik s'est trompé. Oui, l'imam Malik, c'est un être humain. Est-ce que l'imam Malik t'a dit qu'il se trompe jamais? Il t'a dit ça? Oh, Suyut est comme ça, Suyut t'a dit. Non, Suyut t'a dit qu'il est immaculé, il ne peut pas se tromper. Non, Suyut a dit dans son livre comme ça qu'on peut fêter. Oh, l'imam Nawawi comme ça. Mais oui, ils t'ont dit qu'il ne peut pas se tromper. Al-Hujjatu fil Asar. Al-Hujjatu fil Asar. Comme a dit l'imam Malik. Le dalil, l'argument se trouve dans les textes. Ce qui est en conformité, on prend. Ce qui n'est pas en conformité, on rejette. Peu importe cette personne. Et ça, c'est le manège des gens de la sunna. Et les savants le disent clairement. Toute personne, on peut prendre de lui, on peut rejeter. Illa sahib hazal qabr. Sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit l'imam Malik. Alors, si le savant se trompe, il a une récompense. Il n'a pas une récompense parce qu'il s'est trompé. Non, on n'est pas récompensé parce qu'on se trompe. Non, il a une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts, il a fait un ijtihad pour chercher à découvrir la vérité. Mais malheureusement, il n'est pas tombé sur la vérité. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher également la vérité. Oh, il y a des gens, c'est pas ça. Lui veut juste trouver l'avis d'un savant qui va dire ce qu'il veut entendre. Un savant qui va donner un avis qui est en conformité avec sa passion. Mais vous croyez tromper Allah subhanahu wa ta'ala? Vous croyez tromper Allah? Allah connaît parfaitement ce qui est dans les cœurs. Alors ici, je vais vous citer des athar, donc des textes, des récits, des compagnons. Comment est-ce qu'ils se comportaient face à la divergence? Comment est-ce que les compagnons se comportaient lorsqu'il y avait une divergence? Est-ce qu'ils disaient, bon, comme il y a divergence, chacun prend ce qu'il veut? Ou est-ce qu'ils s'intéressaient plus au dalil? C'est-à-dire, est-ce que les compagnons du prophète, c'était les divergences qui... C'est-à-dire, eux, c'était les divergences qu'ils voulaient seulement? Ou bien c'était quoi? C'était les dalils. Parce que Mohamed Bajrofil, quand il vient, il dit que oui, la musique est halal. Il nous cite la parole de Youssouf Qardawi. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire de la parole de Youssouf Qardawi? Et les savants ont fini avec Youssouf Qardawi depuis. Il dit non, Youssouf Qardawi, quand il a dit ça, c'est qu'il voulait aller en boîte. Mais Yahri, tu es tombé bien bas. Lorsque nous avons des textes clairs qui nous interdisent la musique, et puis Youssouf Qardawi vient et dit la musique est halal. Mais la parole de Youssouf Qardawi, on prend ça, on balance son mur. On prend la parole de Youssouf Qardawi, on balance ça où? On balance son mur. Alors, et vous allez voir que la majorité des gens, ou la majorité, soi-disant, des savants que Mohamed Bajrofi cite, vous allez voir que la majorité des soi-disant savants que Mohamed Bajrofi cite, c'est des savants qui sont connus pour leur déviation. Les Rosales, les machins. Il va te citer que des savants qui sont connus pour leur déviation. Et naturellement, lorsque quelqu'un est égaré, il ne peut que suivre les gens qui sont égarés. Et tout ceci, comme je vous l'ai dit, premièrement, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari muslim, que Ali ibn Abi Talib, il est venu voir Othman ibn Affan. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il est venu voir qui? Othman ibn Affan. Il lui a dit, pourquoi tu empêches les gens de faire le muta'a? Le muta'a, c'est-à-dire, c'est une forme du hajj. C'est-à-dire, tu fais le hajj, tu fais d'abord la umra pendant les mois du hajj, ensuite tu te désacralises, tu attends. Lorsque Yom Taru y arrive, tu rentres en état de sacralisation une deuxième fois. Et pour faire quoi? Pour faire le pèlerinage. On appelle ça le Muta, ou bien Tamatur. Alors il a demandé que, mais pourquoi tu as interdit aux gens de faire ça alors que le prophète a fait? Ousmane lui a dit, le hadith est dans le Sahih, Bukhari et Muslim. Le hadith que je vous cite là. Ousmane lui a dit, mais laisse-moi. Ali a dit, Wallahi la atrukuk. Il dit, par Allah, je ne vais pas te laisser. La bec en Umratan. Et il est sorti, il a dit qu'il va faire le tamatua. Ali ibn Abi Talib a dit quoi? Il est sorti, il a dit qu'il va faire le tamatua. Pourquoi? Parce que le prophète a demandé de faire le tamatua. Maintenant, Othman lui dit, il a demandé aux gens de ne pas le faire. Pour une raison certainement. Mais Ali ibn Abi Talib, comment est-ce qu'il a. C'est-à-dire, comment il s'est comporté face à cette divergence? C'est une divergence ici. Le prophète a dit de machin. Ousmane dit non, ne faites pas, peut-être pour une maslaha. Qu'est-ce qu'Ali a fait?
Est-ce qu'il a dit non, comme c'est une divergence, bon, on peut faire. Non, il a dit il va faire. Pourquoi? Parce qu'il suit ce que le prophète a demandé. Donc il a fait précéder la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de qui? Sur la parole de Othman ibn Affan. Ça, c'est déjà un premier point ici qu'il faut retenir. Et c'est venu dans le Sahih Muslim également, et Bukhari, que Othman a fait 4 rakas à Mina. 4 rakas à Mina. Ibn Mas'ud a prié derrière lui. Après la prière, Ibn Mas'ud s'est levé. Écoutez, Othman a fait 4 rakas à Mina. Ibn Mas'ud a prié derrière lui. Ensuite, il s'est levé. Le hadith dans le Sahih Muslim. Il a dit, Sollaytu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi Mina raka'atayn. Wa sollaytu ma'a Abi Bakr anhu bi Mina raka'atayn. Wa sollaytu ma'a Umar anhu bi Mina raka'atayn. Fa layta hadhi min arba' raka'at. Raka'atan mutaqabbalatan. Ibn Mas'ud s'est levé, il a dit, j'ai prié derrière le prophète Mohammed 2 rakas. J'ai prié derrière Abu Bakr 2 rakas. J'ai prié derrière Omar 2 rakas. Et maintenant aujourd'hui, on va prier combien? 4 rakas. Est-ce que Ibn Mas'ud ici a dit non, comme c'est une divergence, donc chacun peut faire ce qu'il veut? Non. Ici, il a fait le inkar que le prophète a prié 2 rakas. Derrière, il a prié derrière le prophète 2 rakas, Mina. Il a prié derrière Abu Bakr 2 rakas, il a prié derrière Omar 2 rakas. Donc ça ne doit pas être 4 rakas. Quelqu'un peut dire oui, mais il a quand même prié. Oui, il a quand même prié. Pourquoi? Parce qu'il a vu le mafsada et la maslaha. Certainement, les gens pouvaient peut-être dire, comme les savants disent, qu'il ne veut pas prier derrière Othman, le chef, donc c'est qu'il ne voit pas que la prière est légiférée derrière le chef musulman. Et ça pouvait amener des dérapages sur les khawarij, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est qu'Ibn Mas'ud a fait quoi? Il a réprimandé. Il a fait une réprimande ici. Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que les gens ne font pas précéder la parole du prophète sur la parole de qui? Sur la parole des gens. Sur la parole de certains, ou bien de certains de leurs chiours. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est également venu dans le Bukhari, hadith numéro 2736. Le hadith de Abi Qais, il dit Sami'tu Huzayl ibn Sharahbil, qala su'ila Abu Musa an ibnatin wa ibnati ibn wa ukhtin, fa qala li ibnati an-nisf wa lil ukht an-nisf wa ati ila di wa ati ibn Mas'ud fa sayutabi'uni, fa su'ila ibn Mas'ud wa ukhbira bi qawli Abi Musa al-Ash'ari fa qala لقد ضللت إذ وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني Madame Hazel Khabar Fikum. Ça, c'est une histoire qui est très importante. On est venu poser la question à Moussa al-Ash'ari sur l'héritage. Quelqu'un qui meurt, il laisse une fille, la fille de son fils et sa sœur. Et il a dit quoi? Ibn Mas'ud, Abu Moussa al-Ash'ari, il a dit la fille doit avoir la moitié. Et la sœur aussi, là, la moitié. Et il lui a demandé, c'est-à-dire celui qui est venu poser la question, il lui a dit va poser la question à Abu Moussa Ibn Mas'ud. Il va me suivre dans ça. C'est-à-dire, il va donner le même avis que moi. Alors, ils sont partis en groupe. Ils sont allés poser la question à Abdoulaye Mas'oud. Vous savez ce qu'il a dit à Abdoulaye Mas'oud? Il dit, je vais m'égarer. Je ne serai pas des gens, je ne ferai pas partie des gens bien guidés si je suis ce qu'Abu Moussa al-Ash'ari a dit là. Écoutez, Ibn Mas'oud dit, je serai égaré. Je ne serai pas parmi les gens bien guidés si je suis ce qu'Abu Moussa al-Ash'ari a fait comme fatwa. Il dit, je veux plutôt juger ici comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait jugé. La fille aura la moitié, la fille du fils aura le sixième, n'est-ce pas, pour compléter les deux tiers, et ce qui reste, ce sera pour la sœur. Et quand on est venu dire ça à Abu Moussa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, ne me posez plus de questions tant que vous avez déjà cette information avec vous. Regardez un peu le comportement des compagnons. Est-ce que ici, l'Abou Moussa Acha, il a dit, non, c'est une divergence. Vous avez le choix ici. Si vous voulez, vous prenez mon avis. Si vous voulez, vous prenez l'avis que Abdel Masoud vous a dit. Il a dit ça? Non. Et Abdel Masoud, il leur a dit que bon, ici, là, vous avez le choix. Hein. Si vous voulez, vous prenez ça, ce que je vous dis là. Ou bien si vous voulez, vous prenez ce qu'il vous a dit. Non. Au contraire, Ibn Masoud a même dit, je vais m'égarer. Pourquoi? Parce que lui, il a le dalil. Peut-être Abou Moussa Acha, il n'avait pas le dalil avec lui. Donc, il a fait un ijtihad. Mais lui, Abdel Masoud, il a eu le dalil ici. Donc, il ne convient plus pour lui qui a le dalil de laisser le dalil du prophète et suivre la parole d'Abou Moussa Acha. Sinon, c'est l'égarement total. Et il n'a pas dit ici qu'Abou Moussa Acha est égaré. Non. C'est très important de comprendre ça. Ici, on ne va pas dire que non, l'imam Malik s'est égaré ou bien l'imam Abou Hanifa s'est égaré. Non. Il a peut-être une excuse, peut-être n'a pas le dalil, il a fait l'ijtihad, etc., etc. Mais toi qui as déjà le dalil, toi, tu dois suivre le dalil. Tu dois suivre le dalil. Ici, Abou Moussa al-Ashari, ici, il a fait une fatwa, parce qu'il n'avait pas le texte. Et Abdel Masoud a dit, puisque lui, il avait le dalil, il dit que si je suis l'avis d'Abou Moussa al-Ashari, je serai égaré. Et c'est normal. Il va s'égarer parce que tu refuses de suivre la parole du prophète. Et tu suis la parole de quelqu'un, ça c'est la passion, c'est le hawa. Il n'y a pas trois choses, il n'y a que deux. Ou tu suis la parole du prophète, ou c'est la passion. Allah était clair dans le Coran. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Le verset est clair. Allah dit au prophète, s'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Donc, comment on doit se comporter face au khilaf, face à la divergence? Nous devons regarder les arguments, les dalils. Là où il y a des dalils, on prend. Quelqu'un peut dire, oui, mais tous ont des dalils. Oui, mais les dalils ont des degrés aussi. C'est pas tout de dire, oui, tous ont les dalils, oui, mais les dalils ont des degrés. Ça, c'est important de comprendre ça. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut connaître les asbab de khilaf, les causes de la divergence. Parce que si on ne connaît pas les causes de la divergence, ce sera vraiment difficile pour nous de faire quoi? De sortir avec un avis qui est prépondérant. Alors, et il y a une chose qui est importante ici dans l'histoire de Abou Moussa al-Ashari avec Ibn Masoud. C'est qu'à la fin, quand on est revenu dire à Abou Moussa al-Ashari, quand on a informé Abou Moussa al-Ashari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne me posez plus la question tant que vous avez l'information avec vous. Quelle information? L'information du prophète. Il dit, tant que vous avez déjà le dalil que le prophète, c'est comme ça que le prophète a jugé, ne me demandez plus. Ne me demandez plus. Le dalil est déjà là, c'est clair. Donc ça veut dire que ne prenez plus l'avis d'un savant du moment où vous avez le texte du prophète qui est déjà clair sur la question. C'est plus que clair. C'est pourquoi nous disons qu'on doit, se cramponner aux preuves. Lorsque la preuve vient contredire l'avis d'une personne, ou bien l'avis d'une personne vient contredire le dalil, nous disons que sa parole est mardoud alayhi ka inan man kan. Peu importe cette personne. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, al-allam al-muhaddith, n'en déplaise aux gens des sectes, lorsqu'on lui a posé la question sur le fait de lire de l'eau, et de lire dans de l'eau, lorsqu'on fait la ruqya, il a expliqué, etc., qu'il n'y avait pas de preuves, etc. Après, il a dit, même s'il y a des savants qui ont dit qu'on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut faire la ruqya dans de l'eau. Il dit, même s'il y a des savants qui ont dit qu'on peut faire ça, il dit, mais il n'y a pas de preuve, le prophète n'a pas fait ça. Et il dit après, il dit, et ce sont eux qui nous ont appris, c'est-à-dire ces savants-là, qui nous ont appris qu'on ne doit pas accepter un sujet sauf avec une preuve. Toute personne ne peut prendre de lui, il termine par ça, toute personne ne peut prendre de lui, on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, kullu yu'khaz min qawli wa yurad ila sahib hadhal qabl, comme a dit l'imam Malik. Qu'est-ce que le cheikh Rabi' ici dit? C'est important. Il dit ici, là, même si ces savants-là ont dit ça, mais il n'y a pas de preuve. Et ce sont eux, ces savants-là, qui nous ont appris que nous ne devons pas accepter une chose s'il n'y a pas de preuve. Donc, peu importe la vie. Non, le cheikh Al-Islam Temi a dit. Non, le cheikh Ibn Othaymin a dit. Le cheikh Al-Albani a dit. Tous ceux-ci, ce sont nos savants. Ils sont respectés. Ils ont leur valeur. Ils ont leur titre. Mais lorsque leur parole, par exemple, vient contredire, par exemple, un texte, ici, là, on doit faire posséder la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur leur parole, bien évidemment, avec le adab, avec le comportement, et tout en gardant leur place. C'est-à-dire, ils gardent toujours leur place de savant. Mais ici, là, sa parole, on ne peut pas faire précéder ça sur la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un principe qui est très important, les frères. Et il faut bien comprendre ça, parce que beaucoup de gens s'embrouillent aujourd'hui. Et il y a des gens aujourd'hui qui confondent. Lorsque tu viens, tu lui dis que la parole que tel cheikh a menée, par exemple, il y a un hadith qui est venu contredire cette parole-là.
Et les savants ont par exemple dit que cet avis-là n'est pas correct. Il te dit, tu es en train de mal parler du savant. Oh, comment je suis en train de mal parler du savant? Donc le fait qu'on dise que le savant s'est trompé, ou bien le fait qu'on puisse dire que l'avis du savant n'est pas en conformité avec le texte, on est en train de mal parler du savant. Mais ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris le manège des salaf. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Vous lisez dans les kutub des savants, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez parfois arroja. Vous trouvez parfois, même le savant dit parfois akhta fulan. Haza marjouh. Wa haza laysa bisahih. Ça veut dire qu'il est en train de faire le tarn sur ce savant-là parce qu'il a dit que ce n'est pas vrai la parole qu'il a eu à dire, ou bien c'est pas prépondérant, mais ce n'est pas juste. Ça veut dire qu'il fait le tarn. Ça aussi, c'est un problème aussi que beaucoup de gens. Et ça, vous allez voir que c'est beaucoup de gens qui sont souvent sur le fanatisme. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui sont ancrés dans le fanatisme, c'est comme ça qu'ils se comportent. C'est-à-dire, lorsqu'il va un cheikh a dit quelque chose, si toi tu ne dis pas ça et que tu dis le contraire de ça, tu es en train de faire le tarn sur le cheikh. Qui t'a précédé dans ça, mon frère? Qui t'a précédé dans ce manage-là? Non. Ça, c'est dangereux, ça. On laisse la parole du prophète Mohammed pour dire qu'on va suivre la parole de tel ou tel cheikh, alors que ça vient contredire la parole. Nous disons, tout ça, c'est quoi? C'est des déviations. C'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas encore bien compris le manage des salaf. Nous disons, comme l'imam Ahmed a dit, al-hujjatu fil asar. Le dali se trouve dans les asar, à la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne te demande pas d'apporter un avis qui vient de ta propre tête. Non. Tu apportes des avis à la compréhension des salafs salih. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a un dalil qui est solide sur la question. Alors, dans le hadith de Bukhari, c'est venu dans le hadith de Bukhari, on a posé la question à Urwa sur la prière de l'éclipse. La prière de l'éclipse, vous savez, il y a une grande divergence sur la question. Comment on va faire ça, etc. etc. Alors, on est venu, on lui a dit que, mais, parce qu'il a expliqué, il a rapporté le hadith d'Aïcha en disant que la prière de l'éclipse se fait deux rakas avec deux recours à l'intérieur. On fait deux rakas avec deux recours. Et on lui a dit, mais ton frère dit le contraire. Ton frère a dit que c'est deux rakas comme on fait la prière de Fajr. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Naam, walakin akhta. Il a dit, oui, mais il s'est trompé. Il a fait l'erreur. Ah, c'est Urwa ibn Zubair qui dit que son frère, qui est un compagnon du prophète, s'est trompé. Le hadith dans le Sahih Bukhari. Il dit que son frère s'est trompé. C'est-à-dire qu'il n'a pas lu ici. Oui, il a dit ça. Hein? Ok, bon, donc tu as le choix ici. Est-ce qu'il lui a dit, la personne qui est venue lui dit que mais ton frère dit le contraire de ça. Est-ce qu'il lui a dit, non, bon, ici tu as le choix. Si tu veux, tu prends son avis. Si tu veux, tu prends ce que je viens de te dire là, que le prophète a prié comme ça. Il n'a pas dit ça. Au contraire, il lui a dit, oui, il a dit ça, mais il s'est trompé. Pourquoi? Parce que lui, au roi, il a eu le dalil du prophète. Comment le prophète a fait cela? Est-ce que vous suivez? Donc, pour dire ici quoi? C'est-à-dire deux rakas avec quoi? Deux recours. Oui, deux rakas avec deux recours. Donc, quatre au total. Parce que deux recours au premier rakas, deux recours au deuxième, ça fait quatre. Donc, ici, il n'a pas dit non, choisis ce que tu veux, c'est une divergence. Donc, si tu... Il n'a pas dit ça. Ça, c'est le manage des compagnons. Ça, c'est le manage des tabi'in. Où est-ce qu'on trouve la parole de Mohamed Bajrafi ici dans les sources que je viens de vous citer? Où est-ce qu'on trouve cette parole-là? Choisissez les avis que vous voulez, sans que vous soyez heureux. C'est où ça? C'est dans quel hadith? C'est dans quel hadith que vous allez trouver un compagnon? Et je dis bien, je lance un défi à Mohamed Bajrafi qui m'apporte un hadith comme ça. Où les compagnons disent non, il y avait un sujet de divergence. Et puis les compagnons ont dit, yallah, choisissez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux. Kul hadha kalam batil. Arju al-najata wa lam tashbik matalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. La tajri ala al-yabas. أنا لست صوفيا أطوف بقبة.